incroyable mais vrai. Mais aussi rien n'est étonnant. Bienvenue à vous sur Damas Télé. Si c'est pour vous la première fois d'être à cette chaîne. Et merci à tous nos abonnés. Les week-ends du 4 au 6 mars 2022, la FIFA a fait savoir sa volonté sur l'utilisation des arbitres européens, asiatiques et sud-américains en raison du faible niveau des hommes noirs. Face au nombre réduit des arbitres qualifiés en Afrique, pour les barrages du Mondial Qatar 2022. Car il faut souligner, au regard du scandale arbitral arrivé au dernier CAN, la FIFA a fait savoir sa volonté d'utiliser les arbitres de l'autre continent pour le bon déroulement des matchs de barrage. Il y aura l'assistance vidéo, c'est bel et bien clair par la décision de la FIFA. En ce qui concerne le match de la RDC contre le Maroc, le Sud-Africain Victor Gomez, choisi par la FIFA pour le match aller de la double confrontation entre la RDC et le Maroc, en date du 25 mars 2022 au stade de Martyr. Le Sud-Africain a été choisi comme l'arbitre central de ces rencontres. Victor Gomez, l'homme rigoureux et l'incorruptible, comme on l'appelle souvent, celui qui arbitrait les finales de la CAN 2021 entre le Sénégal et l'Égypte. Un homme rigoureux pour un match décisif entre le Maroc et la RDC. Et M. Zakel Touchi, comme le premier assistant, lui aussi sud-africain, et le deuxième assistant, Souro Fatione di Lesotho. Quatrième arbitre, l'Angolais Eldo Carvalho. L'assistance vidéo sera entre les mains de deux Français. Qui sont-ils? François Letessier et Benoît Milou, les deux têtes qui officient régulièrement en Ligue 1.